Et donc voilà, ce collector, cette édition spéciale d'Infamous Second Son, je vais essayer de vous faire un petit cadrage pas trop dégueulasse, pas évident, là mon pied il est un peu branlant. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai pris cette version là que je trouvais beaucoup plus jolie, avec notamment la pochette, qui reprend vraiment l'artwork que je trouve hyper classe, vraiment sympa. Donc ça se décompose un petit peu comme ça. Donc vous voyez ici, assez sobre, mais relativement joli, je trouve. Vous avez ici la tranche comme ici, comme ceci. La même chose, bien entendu, de l'autre côté. Et derrière, ça reprend l'artwork classique du jeu. Puis ça vous décrit un petit peu le contenu de cette édition spéciale, comme vous voyez ici. Contenu de l'édition spéciale, le jeu complet Infamous Second Son, le bonnet de Delsin Row, et le DLC Cole's Legacy, ce qui nous permet de voir un petit peu ce qui est arrivé également à Cole. Donc ça, je l'ai pas encore essayé, je verrai bien un petit peu ce que ça donne, avec notamment un packaging différent une nouvelle fois au niveau du jeu. Et ça, c'est pas le cas sur la version collector ultime, ce que je trouve relativement dommage. Au niveau de cette boîte, moi ça m'a tout de suite frappé à l'esprit, c'est que c'est fait sur un matériau qui est cartonné mais qui est mat en fait. J'aurais préféré quelque chose de brillant, d'un petit peu plus sympa au toucher, un petit peu plus lisse. Là voilà, le fait que ce soit un matériau mat, alors je suis pas expert en carton, mais j'ai l'impression que on a tout simplement une sorte de carton recyclé. Je sais pas, ça se sent un petit peu au toucher, et je trouve ça relativement dommage pour une édition collector d'avoir voilà un truc comme ça qui peut forcément facilement s'abîmer. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, il y avait déjà un nion que vous voyez ici. Donc je vais essayer de le garder en état impeccable. Ici, il est un petit peu bosselé. Donc c'est dommage, j'aurais vraiment préféré avoir un carton avec un effet brillant plutôt qu'un effet mat comme ça, qui fait imprimer un petit peu bizarre. Encore là, ça va sur la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, c'est beaucoup plus sombre que ça. Bref, alors voyons. Donc on va ouvrir comme ça, hein, ici. Il n'est pas scellé. Ce collector est juste voilà fait avec un petit scotch comme ça, donc on va l'ouvrir correctement. Ça, une nouvelle fois, ces ouvertures là avec les languettes, c'est assez emmerdant parce que ça peut rapidement se gondoler, rapidement s'abîmer, donc faut limiter quand même le nombre d'ouvertures. Voici ici, hop, le jeu. Ça, on va le mettre ici. Avec l'emblème justement d'Infamous Second Son, joli comme tout, franchement il est tagué relativement souvent par Delsin dans le jeu, et c'est sympa, je vous en dis pas plus sur ce tag. Et faut savoir que voilà, Delsin est un peu un graffeur, un Jones vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un personnage qui a quelque chose, il est un petit peu arrogant, franchement il est vachement sympa ce personnage de Delsin, et franchement Sucker Punch a vraiment assuré. Donc voilà, ça c'est le collector, enfin le jeu en lui-même, donc que vous voyez ici, hop, dans sa version Digipack exclusive une nouvelle fois, hein, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur la version collector. Vous avez une boîte classique sur l'édition collector, ce qui est assez dommage. Vous voyez ici, hop, manière d'un petit graffiti, un petit peu la jaquette arrière. Il faut savoir que le jeu était blisté, hein, le jeu est blisté à la base. Le collector non, la boîte collector non, mais le jeu est blisté, hein, je l'avais déblisté. Je pouvais pas faire autrement, on peut pas conserver le blister. Et donc voyez l'intérieur comme ça, avec notamment le manuel. Sans commentaire, hein. Voilà, avec une petite pub pour le PSN Plus, sachant que le jeu n'est pas jouable online. Ça, le Paper Trail, pardon, c'est une DLC à venir, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est les missions bonus. Donc vous avez ça et également. Alors attendez, je vais le planquer. De toute façon, d'ici là, je pense que je l'aurais déjà utilisé. Voilà, le DLC, l'héritage de Cole Magrath. Ce qui est plutôt sympa à voir, voilà. Mais c'est tout ce qu'on a dans cette édition collector, en DLC, en contenu numérique, si je puis dire. Après, il faut savoir qu'il y a un autre DLC qui est une veste en jean supplémentaire pour Delsin, dans le Big Collector à 89 euros, je crois. C'est un peu cher d'ailleurs pour la qualité. Et enfin,
le bonnet de Delsin, la réplique, hein, voilà, du bonnet de Delsin d'Infamous. Bon voilà, c'est sympa, je pense pas mettre le bonnet, surtout qu'à Perpignan, j'ai pas trop besoin de mettre de bonnet en général. Hop, je vais juste vous le sortir pour vous le montrer. Quand même un produit officiel, hein, bien entendu, avec l'étiquette PlayStation et puis l'étiquette Second Son. Hop, il est sympa, hein, au niveau de la matière, je trouve très agréable, avec la petite étiquette Seattle 138, puisque bien entendu, le jeu se passe à Seattle. Voilà, ben écoutez, c'était la présentation rapide du collector de Infamous. Je vais remettre tout ça un petit peu comme ça. Voilà, bah c'est cool, hein. Moi je pense que ça le fait. Je vais passer de très bonnes heures sur ce jeu. J'ai commencé, comme je vous disais, et je le trouve vraiment vraiment très sympa. Il est cool, le héros est vraiment sympa aussi. Tiens, voilà, hop, le bonnet. Donc c'est un très bon premier gros jeu PS4. Et sachant que voilà, que c'est que le début, je m'attends forcément à du lourd aussi par la suite. Et voilà, on verra ce que ça donne aussi. Je pense que ça peut être que du bon pour l'avenir, en tout cas de la machine, qui s'annonce très bon. Je vois que Titanfall n'a pas fait non plus un énorme succès. Et Infamous, lui, premier vraiment jeu exclusif de cette nouvelle génération, puisqu'il sort uniquement sur PS4, va peut-être tirer son épingle du jeu. Et si vous voulez mon avis, c'est tant mieux. Il a déjà 1 million de précommandes, ce qui est énorme. En général, c'était jamais des fours, Infamous, hein, il passait le million, mais pas plus que ça. Là, vraiment, on va arriver sur quelque chose de très bon. Et j'en suis ravi pour la série. Écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi's Old TV et oldiesrising.com. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, une vidéo forcément qui sera consacrée à Infamous. Allez, salut!